Hey, le poulet, Nick. Il a été réglo. Boucle-la, Marc. Pousse pas le bouchon trop loin. Je te laisse filer en souvenir de Suzy, mais je ferai rien pour le flic. J'ai pas envie que les flics font leur nez dans mes affaires. Sans lui, on serait tous morts, Nick. T'as vraiment de la chance, petit blanc, alors la gâche pas maintenant. Non, pas la police. On va régler ça avec lui. Vas-y, tire-toi d'ici. Vous n'êtes qu'une bande de salordures! J'ai pas besoin de ton aide, Hammond. C'est compris? Je veux pas l'aide d'une bande de racailles. Je m'appelle Frank Carter, de la Brigade Volante. Eh oui, la Volante, la crème de la police. Il gèlera en enfer avant que je demande de l'aide à une raclure de criminels. Ça va, ferme ta gueule, poulet. Cette ville est à moi. Pas à toi, macaque. Pas à toi. Et pas à toi non plus, espèce de sale bridé. À moi. Je régnais sur cette ville alors que vous mouillez tous encore vos couches. Je régnais sur cette ville avec de vrais durs, comme Ronnie et Reggie. Avec un respect, on savait qui possédait quoi et qui était qui. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Des lanceurs de saguets qui distribuent les flingues comme des sucettes. Londres est devenu un vrai asile. La dope, le crack, toutes les races mélangées. Eh bien, désolé, mais ça suffit comme ça. C'est devenu n'importe quoi. On laisse un peu de place à ces gens. Et qu'est-ce qu'on obtient? Du pur bordel. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et c'est maintenant. Que quelqu'un puisse se tarer, il a une bombe. Bon, à l'euro, au frangis, et au mâle. Quitte le bouton de nous autres. Tiens, filez. Maintenant. De guerre mondiale. Les pieds, les bouts, les hommes et les hommes. Et voilà le vainqueur de l'Eurovision 1953, je crois, hein, si je m'en rappelle bien. Et les années consécutives, alors. Allez, bonjour tout le monde, c'est les Chaman. Salut à tous. Ah, sacré champion, hein, ce Charlie Johnson. Charlie, hein. Il a plus d'un tour dans son sac. Hein. Et après, je trouve... Il chante mieux que Patricia Cass. Ouais. On se trouve pour la dernière vidéo du Walfou. Après, on dit deux bonus. Hein, on ouais, c'est la vidéo bonus. Non, ce sera pas du bonus. Alors, c'est vidéo bonus. Non, vidéo 24. Oui, que d'émotions après cette... Cette chanson là, sur les deux guerres mondiales et tout, c'est incroyable. Hein. Ah, il a deux guerres mondiales, le gars, à superstar et tout. Hein. Donc, faut fuir. Faut fuir parce que le vieux fou là, il a appuyé sur le bouton et s'il relâche, c'est ça. Ça pète. Hein, ouais. On l'a vu dans la cinématique. Donc, précédente. En fait, là, c'est timé, ça va péter. Donc, soigne-toi un peu. 3 minutes. C'est ça. Alors, voilà, mission 24, hein, donc 12 et 12. Donc, la 12ème avec Frank Carter, la 24ème du jeu, la dernière du jeu. Compte à rebours cette fois. Vous avez vu le petit morceau de mission de... Toi, le petit morceau de cinématique croisée. Hein. Amond s'en va, nous on reste malheureusement. Et on doit fuir. On a le droit à un discours assez drôle, hein, de son bon vieux temps là. Et comme ça, bah, si vous avez envie de regarder la 12ème de chaque personnage, vous pourrez suivre la fin de l'histoire. C'est ça, ouais, exactement. Attention. Putain, c'est fou, moi, ils sont fourbes, vous avez vu. Ils sortent des cartons, quoi. Je me soigne un petit peu. Un petit peu, les cartouches de fusil, faut toujours se soigner. Donc voilà, donc là il faut fuir alors que Marc Hammond a pu partir avant que le vieux fou se mette à chanter, hein, et sorte sa télécommande. Ouais, il a loupé le spectacle, on va dire. C'est dommage, quoi, c'était un peu la folie. Donc le vieux est un peu con, bon ça on le savait, parce qu'il attend que tout le monde parte avant de se faire péter apparemment. Parce qu'il aurait dû appuyer tout de suite. Ouais, c'est clair, on serait tous morts, ce serait nul. Mais je veux dire, là, à gauche, attends toi. Voilà, donc là faut aller tout droit. Oh putain, je suis dans la merde. T'es mort, là t'es foutu là. Attends, je me soigne. Ouais, soigne-toi. Il voit pas, t'es derrière la rambarde verte. C'est bon. Donc là, la porte, c'est un piège, si je me rappelle bien. Parce que cette mission, je l'avais beaucoup faite, donc je me rappelle. Non, faut fuir et c'est tout droit, en fait. Hein. Cette truc, c'est un piège. Si tu vas là, t'es mort, en fait. J'ai pris un coup de fusil dans le cul, je suis quasiment mort. Ah, ça lui fait mal, hein. Péter le coccyx, c'est bon, ça va mieux. Il va pouvoir gambader. Allez, c'est parti. Roulade, sur la gauche, c'est fermé. Voilà. Donc les mecs avec la mode Barcelone sont morts. À gauche. Ah putain! Donc vous avez vu la fin du jeu, plus de discrétion, tout le monde a le AK. Distribution générale, hein, d'armes. Hein. Ouais. Allez, là faut monter aux escaliers. Hop, il y a un indice timer. En fait, les gens sont trop tués donc souvent que pour te défendre. Mais bon, c'est vrai que là tu te défends, c'est vrai. Attention, tout le monde fait péter les fuites de gaz là, les conduits sous pression. Allez, c'est parti, tu peux pas tirer, il faudra que tu te soignes, je pense un peu.
avant de reprendre la route. Faut que je parte là, non? Ça a pété, les gars. Allez, 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 faut que t'ailles sur le pont du bateau là à l'avant. Magnifique. Cours, cours, cours. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah oui. Ah oui. Allez, on se fait cinématique. Et voilà. Ok. Petite cinématique de générique. Va te faire foutre. C'est ultra light, hein. Ouais. Magnifique saut de l'ange à la Tomb Raider. Ouais. Donc là, voilà. T'as mis, hein. Mais je pense que si on fait continuer, il y a le générique. Ouais, fin, je pense. Oui. Peut-être qu'on va le faire. On va le faire. Je vais sauvegarder. On va sauvegarder. Voilà, pour vous montrer hein, le nombre d'heures. Voilà, 19. Magnifique. Comment le jeu était finalement long, hein. Ouais, ça va. Ouais, c'était long. Mais bon, quand on le fait en plusieurs morceaux, c'est agréable. Non, mais voilà, on a fini The Gateway avec un magnifique plongeon dans la Tamise. Il y a même plus y a rien du tout. Ouais, je pensais qu'il y aurait une cinématique en fait. Non, il y a pas de cinématique. Ok. Ok. Ah, ça finit. Rien qu'à monde du tout, c'est même pas. Mais ouais, c'est dommage. Je pensais qu'il y avait une cinématique croisée. Avec Yasmine et tout, là, il fait salut mec. Bon, là, bientôt, tu sais et tout. Il dit pas ça. Même pas, non, rien. Bizarre, je pensais qu'il y avait ça. Bizarre. Ouais, je suis perplexe là. Donc voilà. Donc regardez, si je fais extra maintenant. J'ai la promenade. Mais ce sera une autre vidéo, ça. On fera l'autre vidéo, on la fera plus tard. C'est ça. En fait, je me rends compte que la vidéo était vachement courte. Hein. Ouais, 7 minutes. Hein. Et en même temps, c'est normal. 3 minutes de bombe et 3 minutes de cinématique quasiment. Donc, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, voilà, c'était le Walfu sur The Gateway. Ouais. Nous, un jeu qu'on considère comme excellent sur Play 2. Et c'est pas non plus un gros GTA like, mais c'est, ils misent tout sur le scénario, un peu comme la FM Mafia 2. Voilà. Et si on prend ce point de vue-là, cet aspect-là, c'est parfait. Si on dit, oh là, je veux des Katanex, ça sert à jouer à The Gateway. C'est là, si on compare tout le côté. GTA like, c'est clair qu'il est vide de contenu. Mais si on prend voilà, comme une ambiance, scénario, comme une histoire, comme Mafia 2, ouais. Il est excellent. Ça c'est vrai, ça il faut le dire juste sur ce point de vue. Voilà. Après, mais de toute façon, on fera une conclusion, je pense, un peu plus ouais. Peut-être reposée, on va dire. On va se reposer là, c'est clair. On fera la conclusion un peu plus tard avec une vidéo promenade où on pourra vite fait délirer, vous montrer des véhicules qu'on avait. Et le coup de fusil à pompe qu'on avait marqué à monde. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas tout montré. Ouais. On ne choisit pas son mec, hein, contrairement aux deux d'ailleurs. Ouais, là c'est Marc Amon, c'est ça. De toute façon, vous nous direz si ça vous plaît qu'on fasse Black Monday plus tard. Hein, vous nous le direz, nous il n'y a pas de souci, faut juste nous prévenir. Voilà, si vous êtes topé, nous on prend. Bah, c'est commande. Hein. Voilà. Vous nous dites, nous, ça nous pose pas de problème, ça nous fera très plaisir. En tout cas, nous ça fait plaisir vraiment de présenter ce jeu. Ça nous tenait à cœur parce qu'il n'est pas non plus excessivement connu. Et puis peut-être rétablir aussi le fait qu'il ait eu parfois, même souvent, des mauvaises notes et tout quoi. Franchement, voilà, le scénario, les gars, je pense qu'on va vous montrer. Vous avez vu les cinématiques, vous avez quand même vécu l'histoire, à moins d'être... Enfin, voilà. Après, moi, je veux pas du tout vous insulter, je veux dire, vous pouvez ne pas l'avoir aimé, mais bon... je ne sais pas. Par rapport à Code ou comme ça... Non, mais je sais pas, il y a des jeux comme ça qui vous tiennent à cœur, scénario, et quoi, ça, ouais. Celui-là fait partie de notre collection. Il t'a pris au trip, quoi. Enfin, il te prend vraiment... elle est touchante, cette histoire, quoi. Bon, allez, on va arrêter cette vidéo. On fera une vidéo conclusion des connades un peu dans la LOL, PTDR, la promenade. Tout à fait, Patrick Perlarbor. Voilà. Allez, on vous remercie. J'espère que vous avez apprécié ce Walfu de long de 24 vidéos réparties sur le mois de juin. C'est ça. Nous sommes actuellement le 10 juin. On a déjà fini un tout poster à l'arrache, quoi, ça. Voilà. Non, non, grosse surprise pour la deuxième World Food de l'été. Ce n'est pas fini. Qui prendra place tout au long de l'été, c'est-à-dire juillet et août. Là, c'est une mise en bouche. C'est WoW, les gars. On va jouer à WoW sur 200 heures. Level 70. Et on vous montre comment on a bien expiré juste en tuant les sangliers. Les sangliers. 3 semaines, ça nous a pris. À raison de 3 heures par nuit. Comme ça se passe. Exactement. Allez, à bientôt alors. Merci, au revoir. Au revoir. Back to you.